En images à présent, après la suspension des activités de Congo Airways il y a quelques jours, l'exécutif congolais vient de débloquer 10 millions USD pour aider à la relance du transporteur confronté à une indisponibilité de flotte. L'annonce intervient à la suite de la réunion d'urgence du 13 septembre dernier entre les responsables de la société et le ministère de tutelle. Ce montant servira à faire le leasing de deux avions et d'autres acquisitions en attendant la relance rapide de la compagnie aérienne nationale Congo Airways, a indiqué le ministre des Transports, Marc Ekila, dans un communiqué. Et en Égypte, l'université américaine